Bienvenue sur la chaîne Roue Guitare. Aujourd'hui, on va travailler un morceau super sympa, super simple, super concis. Ça tient sur une seule page, Link Ray Rumble. Ce morceau, nous l'avons tous entendu. Et j'avoue que la première fois qu'on m'en a parlé, je dis non, je vois pas de quoi tu parles. Et en fait, si, cette musique, je l'ai reconnue dès les premiers accords, comme vous. Sachez que ça a été un hit en 1958. Quand c'est sorti, ça a même été censuré sur les radios parce que, soi-disant, ça incitait à la violence. Et puis, ce morceau, il a eu une deuxième vie puisqu'il a fait partie de la bande originale du film Pulp Fiction de Tarantino. Comme d'habitude, je vous ai fait les tablatures au format PDF et au format Guitar Pro. Vous ouvrez la description de cette vidéo et sans plus tarder, eh bien, je vais vous montrer comment on le joue. Vous allez le voir, il y a simplement deux ou trois accords différents et ce sont des accords assez faciles à exécuter, peut-être à l'exception du 6/7e. Avec un petit peu de travail, vous allez réussir à le jouer. Et peut-être la difficulté principale, elle va résider à pouvoir jouer en place ce timing de 12/8. Une des premières choses que vous remarquez, c'est cet effet. Donc ça, ce son, ça vient d'un multi-effet et c'est un effet qui est rajouté. On va s'en passer pour le tutoriel. Donc on va compter des cycles de 12 croches et ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ceci donc va vous permettre bien de faire vos changements d'accord et de vous repérer dans le temps. Donc ça donnerait ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va regarder dans un premier temps les accords, et le premier, il est très facile, il est juste à deux doigts, c'est un Ré sus 2, donc Ré suspender 2. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce que ça veut dire, mais rapidement, la tierce a été remplacée par la seconde. Donc au lieu d'avoir un Fa dièse sur la première corde, eh bien on a un Mi qui est la neuvième en fait, et qui dans le cas présent, ça va être la seconde. Ça va se jouer avec l'index et le doigt numéro 3. Donc index, corde de sol, deuxième case, et doigt numéro 3, corde de si, la deuxième corde, troisième case. Vous laissez bien résonner vos quatre cordes. Et vous allez les gratter, ces cordes, dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un accord plaqué. Là, vous allez essayer de rentrer un petit peu plus profond dans vos cordes. J'appelle ça un effet de ratissage. Vous le faites deux fois et donc ça, ça va durer en fait trois croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ce Mi majeur, eh bien, vous allez le jouer comme vous le connaissez tous. Vous rentrez bien profond dans les cordes pour avoir cet overdrive naturel. Ça, vous allez le faire deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on passe sur les motifs en La. Vous allez faire la même chose, sauf que vous allez plaquer un La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On revient sur le Mi. Le 6/7e, on va le casser entre guillemets en deux parties. On va avoir la basse et ensuite les notes hautes. Et là, vous voyez ce signe, là encore, avec la petite flèche ondulée, eh bien, c'est pour rentrer dans les cordes et les brosser, les ratisser. Pas d'une manière sèche et directe, mais assez progressive. Et ensuite, on va avoir le temps de placer les doigts pour former la fin du 6/7e. Donc ne mettez pas tous les doigts en même temps, ça ne sert à rien, puisque un doigt suffit pour avoir la basse et ensuite on les ajoute pour avoir la suite.
Et enfin, le moment que nous attendons tous, c'est cette petite main tatonique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va jouer ceci. Ça, c'est vraiment la gamme mi mineur pentatonique descente. C'est-à-dire qu'on part de la note haute vers la note basse. Même si sur la guitare, vous me voyez aller vers le haut avec ma main, c'est une descente. 3 cordes de mi, 0. On va faire la même chose sur la corde de si. 3, 0. Vous allez utiliser le doigt numéro 3 sur la case numéro 3. Et puis sur la case numéro 2, vous allez utiliser le doigt numéro 2. Corde de sol, deuxième case, 2, 0. Corde de ré, deuxième case, 2, 0. Corde de la, cinquième corde, deuxième case, 0. Et enfin, troisième case. Et vous allez la tirer un peu cette corde. Donc vous allez vous aider des autres doigts à la troisième case. Corde demi-grave, vous allez tirer comme ça vers le bas, ne tirez surtout pas vers le haut, car là techniquement vous sortez du manche. Et là ça va être progressif ce bend, ça va pas être un bend violent, ça va être un bend très amené doucement. Et on relâche, mi à vide. Et ça en timing, c'est très très simple à compter, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, le 0, donc c'est le temps, la note de la mesure d'après. Et ça va être rejoué en boucle vers l'introduction, en fait vers le début du morceau. Donc ça va être une boucle constante. Encore une fois, la pentatonique, première corde, 3, 0. Deuxième corde, 3, 0. Troisième corde, 2, 0 avec le doigt du milieu. Quatrième corde, la corde de ré, 2, 0 avec le doigt du milieu. Encore le doigt du milieu, corde de la, cinquième corde, 2, 0. Et 3 avec le petit bend. Et 0, mesure suivante. Ce motif de pentatonique, il est simplement excellent. Dès que vous avez un mi, alors ça peut être un mi 7, ça va fonctionner également. Vous m'avez entendu le jouer plein de fois. Il est éternel, ce petit motif. Je tiens au passage à remercier Adrian de la chaîne Everyone Can Play Guitar, qui est une chaîne pédago anglaise. Il a fait également ce tutoriel sur ce morceau et il a fait une excellente backing track qui m'a un petit peu découragé d'ailleurs de faire la mienne. Donc je lui ai demandé, Adrian, est-ce que je peux t'emprunter ta backing track pour mon tuto? Il a été super sympa, super accueillant. Il m'a dit oui, absolument, tu peux la partager avec les gens qui te suivent sur ta chaîne YouTube. Et je vous invite vraiment à visiter sa chaîne YouTube et je vous ai mis un lien. Comme ça, vous pourrez également profiter de son excellente backing track. Bien entendu, si ce tuto vous a plu, remerciez-moi en vous abonnant à la chaîne Roux Guitare. J'en profite pour remercier tous les gens qui soutiennent cette chaîne. Ça me fait super plaisir et c'est vraiment très très important. C'est grâce à vous que cette chaîne produit régulièrement des contenus. Je vais pour ma part prendre quelques jours de vacances, donc c'est possible qu'il y ait une semaine sans tuto guitare. J'en suis bien désolé, mais je vais revenir avec plein de nouvelles idées et plein de nouveaux blues juste pour vous. À très bientôt, bye bye.